La chancelière et moi-même, nous considérons qu'il y a un risque de guerre aux portes de l'Europe et qu'il peut y avoir, et il y a déjà, de nombreuses victimes et des victimes civiles. Donc nous avons préparé un texte, d'abord avec les Ukrainiens, puis ensuite nous l'avons discuté avec Vladimir Poutine, et nous devons rapprocher encore les points de vue. Et c'est la raison pour laquelle il y aura encore un échange dimanche au téléphone avec le président Poutine, avec le président ukrainien, M. Porochenko, et la chancelière et moi-même, pour que nous soyons le plus près du but. Je pense que c'est une des dernières chances. Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative. Parce que si nous ne parvenons pas à trouver, non pas un compromis, mais un accord durable de paix, eh bien, nous connaissons parfaitement le scénario. Il a un nom, il s'appelle la guerre.